du moment, chantez ces louanges aux extrémités de la terre, vous qui vaguez sur la mer et vous qui la peuplez, les habitants des îles. Bien aimés, nous tous nous sommes les habitants des îles parce que la terre est posée sur la pomme de main de Jésus de Nazareth, où l'eau nous entoure en bas, en haut et aux alentours. Nous sommes tous habitants des îles. Alors, on vous demande d'ouvrir largement vos bouches pour chanter. On ne peut pas être à la morale d'ouvrir sa bouche, sa langue pour Dieu. Alléluia. Et quand vous parlez, vous voyez que vous êtes pour la loi, que vous ne valez absolument de rien. Il faut que vous ayez les âges. Vous allez regretter tout ce que vous avez fait lorsque vous étiez enfant. Parce que voici le moment que vous devez planter pour avoir tout ce que vous en avez besoin dans le monde. La manière que vous allez vous ouvrir devant le Seigneur va vous apporter tout ce que vous en avez besoin et vous, dans vos familles, dans votre vie et dans la vie de vos progénitures. C'est ensemble que Dieu bénit jusqu'à la quatrième génération. Voilà comment ça se passe. On tape la tête, le ministre dit chanter ton sein. Quand on te parle, tu t'énerves, tu fais le complot, ça, à quoi tu fais, à quoi tu fais, toi, moi, tu ne fais personne. Parce que Dieu ne te voit pas. Moi, je vous dis, la chorale de la pression, pour une belle fois que 10 petits courants entrent à un courant. Et la matinée. Vous allez voir les enfants, parce qu'ils ont la couronne, les deux comme vous, les deux à la monnaie terrain. Dormez, ne chantez pas, faites bien, vous allez voir ce que Dieu va faire. Moi, je vous vois, même si je suis assis dehors, je vous vois. Tu commences dans là, tu finis par le sol. Tu commences à sol, tu vas finir par arrêt. Et toi, donc, tu n'améliores rien, tu ne mets personne. Je vous avais dit qu'un bon chanteur cherche un morceau, un hymne de temps en temps, un hymne, un hymne, un hymne de temps en temps. Cet esprit-là te met en toi et tu commences à chanter. Et tu peux, tu demandes à Dieu le don d'un ange. Un chant, tu dois prier, c'est un chant, je m'envoie de moi les capacités quand je prie, le monde tremble. Et là, quelqu'un parmi vous qui demande des choses comme ça. Malheureusement, vous voir ici, là, on dirait qu'on est là pour vous, alors qu'on ne vous voit même pas. Moi, j'ai faim. J'ai envie de manger. Mais je ne peux pas vous regarder parce que vous ne me plaisez même pas. J'ai besoin d'entendre des choses que Dieu. Il va me dire, viens, mon fils, ce que j'ai vu là, je tape seulement le pied ici, les choses pour vous. En ce moment, je vais dire que j'ai des enfants capables. Mais non, des enfants qui ne fournissent rien, ils boudent devant Dieu. C'est pas normal. Écoutez vos mains. C'est une recommandation. Chantez à l'éternel un cantique nouveau, chantez ses louanges aux extrémités de la terre. Ça veut dire que sortez votre dernier cri. On ne vous demande pas d'aller chanter avec la voix de quelqu'un qui n'est pas très habitué pour copier. Vous laissez vos propres voix, bien que imitez vos quelqu'un, si vous allez imiter, si tu n'en connais pas la voix, ce que tu fais, peux-tu imiter quelqu'un? Non. C'est après avoir connu ce que tu fais que tu vas imiter quelqu'un. Alors, dans cette année 2020, que cela cesse. Amen. Que le désert et ses villes élèvent la voix. Que les villages occupés par Kedar élèvent la voix. Que les habitants des rochers trahissent dans les vestes. Et que du sommet des montagnes retentissent des cris de joie. Alléluia. Depuis que le vent est. L'année 2020 a démarré. Aujourd'hui, c'est le 11, n'est-ce pas? Oui. Quelqu'un a été de la joie depuis la nuit de prière jusqu'à présent? Oui. Je ne peux pas dire non. C'est comme je ne peux non plus dire oui. Mais quelque part, il y en a. Amen. Il n'y a pas de règle sans exception. Mais ce que je sais, c'est que les personnes, les gens ont été beaucoup tentés par le diable. Alléluia. Écoutez bien, je vous parle en prophétie aujourd'hui. Que le désert, c'est qui? Toi qui es dans des problèmes de famine, toi qui n'as pas l'issue, tu n'as rien. C'est toi le désert. Ces villes, élevez la voix. La ville, c'est là où il y a la montagne. Moi, nous savons qu'on va tous en venir pour chercher des choses, n'est-ce pas? Toi qui vas nous tenir une ville, élève la voix.
que les villages occupés par les Kedar, que ceux-là qui sont en captivité, dans les maladies, les embrouillements, lèvent leur voix pour une dernière fois. Ils prennent la main de Dieu. Yes. Cela veut dire que quand les habitants de Rocher trahissaient d'allégresse, que du sommet des montagnes retentissent des cris de joie, tu demandes la fin pour le monde de se rendre joyeux. Alléluia. Ça va être un aussi. Pour le monde, un minimum, et mon canon. L'automobile, ça va, on est voilà, non, bien, voilà, pas au moins, et voilà, vite, on était bon, bon, et le chariot de la dame, le chariot de la fille. Alléluia. Quand on gloire à l'éternel et que dans les îles on publie ses louanges, est-ce que quelqu'un sans obtenir déjà rendu grâce à l'éternel? La parole de Dieu le dit avant de prier et après avoir prié, sachez que le Seigneur a déjà exaucé votre prière. Amen. C'est pour cela que la foi est une obligation pour tout et chacun. Avant même que tu me demandes et que tu penses et que tu appliques la prière, le Seigneur t'a déjà exaucé. Maintenant, on dit vraiment, je vais voir cela avec mes yeux. Si je ne vois pas, je ne crois pas que Dieu, tu sais que c'est dur. Hein? Dieu prend les possibilités possibles. Surtout, ce qui est possible aux hommes est possible à Dieu.